J'ai trouvé ça très très beau. C'était le Liban. C'est-à-dire les choses merveilleuses au Liban. Ouais. Ce qu'on peut parler d'elle et ce qu'on se rappelle d'elle. Et il y a vraiment un passage qui me touche beaucoup dans ce que vous avez écrit. C'est la guerre. Donc vous n'avez pas vécu la guerre. Vous êtes arrivé après. Mais ça vous a marqué pour que vous écriviez quelque chose comme ça? Oui, nos parents nous racontaient beaucoup de la guerre et de la tristesse qu'ils ont vécue. Et il restait toujours à la maison et partait, revenait, sous les bombes et des choses comme ça. Et on se rappelait et on essayait d'imaginer ce qui se passait avec eux. Et comment vous imaginez votre avenir? Ça vous fait peur? Une guerre qui pourrait revenir ou... Depuis un mois, il y a une bombe qui a éclaté. Ça m'a terrorisée parce que j'ai cru qu'on est revenu au temps de la guerre. La bombe a éclaté dans une petite ruelle. Ça veut dire si vous passez à côté d'elle, vous ne la voyez pas. Et même, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas trouver leur maison parce que tout était détruit. On part, nous, en Égypte, en fait, au début du mois de janvier. Mmh. Et on va rencontrer vos copains. Attention, attention. Un grand merci, en tous les cas. Merci.